À la une de l'actualité ce 15 novembre, évidemment, la célébration de la Journée nationale de la paix. Plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment celle de la première dame, Dominique Ouattara, qui a commémoré l'événement aux côtés des populations de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Un accord de partenariat vient d'être signé entre les tribunaux de commerce d'Abidjan et celui d'Angoulême. La France et la Côte d'Ivoire entendent ainsi promouvoir la justice commerciale pour améliorer le climat des affaires. Un fait insolite, pour le moins inhabituel dans cette édition, un crocodile géant de plus de 2 mètres de long, une œuvre du jeune Keïta Gaoussou qui avec ses amis a construit cette maison en forme de crocodile, à l'origine sa passion pour les animaux. Et puis en sport football, la Côte d'Ivoire négocie une troisième qualification pour la Coupe du Monde de football demain face au Sénégal en terre marocaine. Sur place, la Fédération Ivoirienne de football sonne la mobilisation autour des éléphants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Le gouvernement ivoirien a adopté hier un plan d'apurement de la dette intérieure du pays. Elle est estimée à plus de 152 milliards de francs CFA pour plus de 3500 fournisseurs. La décision a été prise au cours d'un conseil des ministres hier au palais présidentiel. Autre point abordé, le développement des activités touristiques. Jérôme Kofi Abolin. Le développement des activités touristiques. Un des sujets abordés au cours du Conseil des ministres de ce jeudi 14 novembre 2013, pour le gouvernement, le tourisme fait partie des secteurs sur lesquels il peut miser pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de services avec des conditions favorables au développement du secteur afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Ce Conseil des ministres, également une occasion pour évoquer l'audit des arriérés des dettes intérieures de l'État et le plan d'apurement ayant permis la validation d'environ 150 milliards de francs CFA pour plus de 3500 fournisseurs retenus. Compte tenu de la volonté du gouvernement d'assainir les relations financières entre l'État et le secteur privé, le Conseil a validé un plan d'apurement spécifique à chacune des catégories des créanciers identifiés. Les paiements dans le cadre de ce plan d'apurement se feront dans la transparence. Les bénéficiaires des créances validées par l'audit seront informés par voie d'affichage et sur le site internet du Trésor public. Le Conseil a aussi fixé les Ivoiriens sur la prochaine visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les localités du Béké et du Bélier. Une visite en deux temps, contrairement à la décision prise initialement. Par conséquent, l'étape du Béké se fera du 25 au 29 novembre prochain et celle du Bélier du 10 au 14 décembre prochain. Après avoir présidé ce Conseil des ministres, le président Ouattara a échangé avec le commissaire européen au commerce dans la ligne de mire, le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et la CEDEAO. Jérôme Kofi Abolin. Entre l'Union européenne et la CEDEAO, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, les deux organisations sont plus que jamais déterminées à œuvrer pour une coopération solide. La rencontre ce jeudi 14 novembre 2013 entre le commissaire européen au commerce et le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Nous avons parlé notamment de l'API régionale entre donc d'un côté le CEDEAO, de l'autre côté l'Union européenne, qui est en cours de négociation, qui entre d'ailleurs, disons, dans la dernière phase, grâce aussi au fait que le 25 octobre dernier, les chefs d'État se sont mis d'accord sur
un tarif extérieur commun et aussi sur l'ouverture de marché qui est donc adressé à l'Union européenne, ce qui est un grand pas en avant. Et j'espère que dans les 2-3 mois à venir, on puisse donc finaliser ces négociations. Nous avons parlé donc des procédures à suivre, donc du trajectoire qu'il faut encore parcourir, mais aussi des possibilités qu'un tel AP offrirait à la CEDEAO et naturellement, notamment à la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, ce 15 novembre, évidemment, la célébration de la Journée nationale de la paix. Plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment celle de la première dame, Dominique Ouattara, qui a commémoré l'événement aux côtés des populations de Ouassakara dans la commune de Yopougon. La First Lady prenait ainsi part aux journées socioculturelles organisées par le chanteur Billy Billy, Viviane Aïma. Ouassakara, quartier de la commune de Yopougon, est à l'image de bon nombre de quartiers populaires d'Abidjan, avec leur lot de moins nantis et de défavorisés. Mais grâce au talent d'un de ses fils, le chanteur Billy Billy, qui a su dépeindre des aspects de la vie dans ce quartier, Ouassakara a gagné aujourd'hui une renommée nationale. C'est encore grâce à ce fils prodige que ce quartier de Yopougon vient de recevoir ce vendredi, pour la première fois depuis sa création, la visite d'une première dame de Côte d'Ivoire en la personne de la première dame Dominique Ouattara. Femme de cœur et aimant le contact avec son entourage, elle a accepté, en ce jour de fête nationale de la paix, de venir communier encore une fois avec les populations et leur apporter un soutien conséquent à l'occasion des journées socioculturelles baptisées « Allons à Ouassakara », organisées par l'artiste Billy Billy, pour rapprocher les populations de ce quartier et contribuer à la réconciliation nationale. Si la première dame Dominique Ouattara avait déjà fait plusieurs dons à la commune de Yopougon, dont 100 millions de francs octroyés dans le cadre du FAFSI aux femmes de Yopougon pour les aider à entreprendre des micro-projets et une opération de consultation ophtalmologique, ce vendredi, c'est une montagne de dons destinée aux femmes et aux enfants de Ouassakara, qui a été offert par la première dame de Côte d'Ivoire, dont en matériel pour soutenir les différents groupements d'activités, broyeuses de maïs et de manioc, décortiqueuses, conteneurs frigorifiques, moules pour la fabrication de savon, barriques, fours à gaz, machines à coudre, congélateurs, casques de coiffure, matériel scolaire, matériel sanitaire, de grandes quantités de vivres et des dons en espèces. L'ensemble pour une valeur de 70 millions de francs. Ému par tant de sollicitudes de la part de la première dame Dominique Ouattara, le chanteur Billy Billy lui a exprimé sa gratitude. En chantant Ouassakara, je n'avais pas l'objectif de faire l'éloge de la pauvreté, bien au contraire. J'ai voulu, en tant que citoyen actif, pousser les uns et les autres à passer à l'action, en se souvenant que ce quartier fait aussi partie de la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, chère maman, malheureusement, il n'y a pas de mots plus grands que merci pour vous exprimer notre gratitude. La Première Dame de Côte d'Ivoire lui a dit son soutien et ses encouragements. Aux femmes de Ouassakara, elle a dit son engagement à leur côté pour les aider à sortir de la pauvreté. Billy Billy est un modèle pour les plus jeunes et je voudrais l'encourager à demeurer sur cette lancée, tant sur le plan artistique que sur le plan social. Je sais que vous, femmes de Ouassakara, êtes des femmes battantes et ne ménagez aucun effort pour aider vos familles. Sachez que ce combat est aussi le mien. C'est pourquoi j'ai créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et je vous encourage à y participer. En effet, grâce au FAFSI, vous pourrez obtenir des crédits pour financer vos activités à des conditions très avantageuses. Par ailleurs, chères sœurs, je suis venue vous soutenir en vous apportant du matériel pour vos coopératives et groupements. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, jour de la paix en Côte d'Ivoire. Et je suis très heureuse d'avoir pu célébrer cette fête en votre compagnie. Reconnaissantes, les femmes de Ouassakara, dans leur diversité, ont dit merci à leur généreuse donatrice.
La journée nationale de la paix a aussi été célébrée dans le recueillement et la prière. La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation a initié plusieurs séances de prière. Des mosquées, églises et temples dans la commune de Yopougon ont été mises à contribution. La politique et la jeunesse ont été invitées à pratiquer le vivre ensemble. Hugues Arbeblé. Cette journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation a donné rendez-vous à ses membres dans différents lieux de culte à Yopougon. Le second à les recevoir a été le temple de l'église évangélique La Miefac au terminus 40. Ici, comme un peu plus tôt à la paroisse Saint-André de Yopougon, fidèles de l'église et membres de la coalition ont ensemble prié pour que l'amour et la paix règnent dans le pays, notamment au sein de la classe politique. J'invite tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, le RDE, le PDCI, le FPI et les autres partis politiques, de cultiver l'amour, de se parler, que le président Afi Nguessan parte saluer son frère aîné Henri Conan Bédier. Le camarade Koua Justin de la JFPI parte saluer son camarade Yayoro du RDE. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la réconciliation, c'est pourquoi j'invite tous les Ivoiriens à cultiver la paix. Si quelqu'un te brandit la haine, en retour, il faut lui brandir l'amour. Son engagement pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation l'a partagé avec les premiers responsables de la mosquée du quartier Antenne de Yopougon. Avec eux, des prières ont été également dites pour que règne la paix dans le pays. Une messe dite pour la paix a aussi été organisée par la Commission épiscopale Justice et Paix en collaboration avec le Programme national de la cohésion sociale. Elle a eu lieu à l'église Sainte-Cécile aux Deux Plateaux, Honorine Anigoré. Le 15 novembre de chaque année, l'église catholique commémore la journée nationale de la paix par des messes et des prières, surtout quand on sait que la paix vient de Dieu. Et ce, pour emboîter le pas à l'apôtre de la paix, Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix sa deuxième religion. À la faveur de la célébration de cette journée nationale de la paix, le président de la commission épiscopale Justice et Paix, Boniface Ziri, dans son homélie, s'appuyant sur le thème de cette journée, Fraternité, fondement et chemin de paix, a exhorté les fils et filles de Côte d'Ivoire à éviter le tribalisme et la stigmatisation du prochain, pour être des artisans de paix. Dans l'Église, il n'y a plus ni Sénoufo, ni Dida, ni autre. Nous sommes un en Jésus-Christ, puisque nous avons un seul Père. Nous, chrétiens, nous, disciples du Christ, nous, les hommes de Dieu, nous devons être au-dessus de la mêlée. Responsables d'institutions, membres de la société civile et hommes religieux venus prendre part à cette journée nationale de la paix sont tous unanimes. Pour que les habitants de Côte d'Ivoire se réconcilient pour la réussite de la cohésion sociale. Nous devons revenir à la paix. Et pour avoir la paix, il faut savoir se pardonner. Nous devons pratiquer la paix, nous devons vivre la paix, nous devons être tolérants. J'invite tous les Ivoiriens, d'ailleurs toutes les Ivoiriennes, à participer chaque année à la messe de la paix. J'ai été heureux d'être ici, d'être à cette cérémonie que je souhaite que les Ivoiriens pérennisent. Créé par la conférence épiscopale le 13 juillet 2003, la Commission nationale Justice et Paix est une émanation du Concile Vatican II. Instaurée depuis plus d'une décennie, comment les Ivoiriens perçoivent la journée nationale de la paix? Comment la célèbrent-ils? Quelle est son importance à leurs yeux? Ils sont au micro de Franck Wadio. Une journée pour célébrer la paix. Le fait remonte à une quinzaine d'années. Mais la célébration de la journée de la paix prend tout son sens, surtout en cette période post-crise. On a besoin de vivre dans une cohésion sociale, que chacun puisse jouir de ses biens. Que la réconciliation vraie s'installe et que toutes les pensées d'hypocrisie, de haine disparaissent à jamais. La paix, mais avant tout la cohésion sociale. Pour certains, la classe politique doit impulser l'élan. Il va falloir que les hommes politiques donnent le top départ, parce que c'est eux, voilà, finalement, le problème. Si eux, ils s'entendent, la population va suivre.
La classe politique, mais aussi la responsabilité individuelle dans les villes comme dans les hameaux, les Ivoiriens devraient pouvoir se parler. Les responsables des quartiers, les responsables des jeunes comme les parents qui sont âgés doivent faire regrouper tout le monde dans chaque quartier et puis bon, s'exprimer, bon, déprimer le cœur, parler ce qu'on sent, la douleur, tout ça là. Dans le meilleur des mondes, le 15 novembre, ce serait tous les jours. Chaque jour devrait être une journée de paix en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir cette culture. Parce que jusqu'à présent, je pense que c'est banalisé. La paix tous les jours, dans les cœurs et dans le geste, c'est à la réalité l'objectif de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire. J'en viens à ce fait insolite, pour le moins inhabituel, un crocodile géant de plus de 2 mètres de long, une œuvre du jeune Keïta Gaoussou qui, avec ses amis, a construit cette maison qui a la forme du reptile. À l'origine, sa passion pour les animaux, aucun souci à se faire, le crocodile est inoffensif. Il est même hospitalier car il sert de gîte au jeune homme et à sa famille. Franck Wadio. C'est l'histoire de Keïta, un homme passionné par les animaux. En 1989, ce menuisier du quartier Camp Commando à Abobo et son équipe avaient toujours espéré sortir de terre une bâtisse en forme d'animal. Ce rêve est depuis quelques années devenu réalité. C'est venu en rêve et j'ai vu que si je mets ça en pratique, je sais que je peux en réaliser encore autre chose. Bon, j'ai aimé beaucoup les animaux. Un animal comme ça que je peux fabriquer, je commence à dessiner puis après, j'imagine, et puis je fabrique. Une maison de 4 pièces et 3 studios avec des toilettes à l'intérieur. C'est le visage que présente le crocodile de Keïta. Une bâtisse faite d'argile, de fer en béton et de bien d'autres matériaux de construction. Selon les inventeurs, les chambres sont confortables. Et vu que se loger à Abidjan est un véritable casse-tête, Keïta et son équipe proposent leur solution. S'ils viennent qu'ils n'ont pas assez d'argent de prendre une maison de 15 000 ou à 25 000, bon, nous on peut les aider avec ça là. Dans les 5 000 à 6 000, on peut se débrouiller avec. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, un coup de pouce de la part des autorités permettrait à ces jeunes de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, si on nous aide, ça peut arrêter le chômage. Si on nous aide, on pourra contribuer aussi au développement du pays. C'est le tourisme. Reste à traduire dans les actes cette volonté. Environ une quarantaine de jeunes travaillent aux côtés de Keïta. Vous êtes nombreux à avoir exprimé vos préoccupations et plaintes quant aux prestations de la compagnie ivoirienne d'électricité. Eh bien, elles semblent avoir été entendues. La CIE vient de se doter d'un nouveau centre de relations clients, un outil qui devrait permettre d'améliorer la qualité des services de la CIE. Le centre a été inauguré ce vendredi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara. Les détails avec Michel Dicré. Allô, monsieur, bonjour. La compagnie ivoirienne d'électricité à l'écoute de ses usagers, grâce au centre de relations clients, réaménagé et rééquipé, ce centre permettra de capter toutes les préoccupations des clients avec en ligne de mire une célérité dans le traitement des plaintes. 80% de nos bons de dépannage sont réglés en moins de 90 minutes. Oui, c'est sûr. C'est ce dispositif qui vise à optimiser la qualité des services de la CIE qui a été présenté au ministre des Mines et de l'Énergie. Nous venons de mettre en ligne là actuellement la géolocalisation, ce qui permet donc aux chargés de panache qui sont présents de suivre le véhicule qui a eu le vent jusque chez le client. Ça nous permet d'être plus efficace et de traiter les différents signalements rapidement. Ce nouvel outil vient renforcer le dispositif mis en œuvre par le gouvernement afin d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de l'électricité. Pour la CIE, dès la fin de la crise post-électorale en avril 2011, un leitmotiv majeur a été la reconstruction, non sans mal, pour remplir efficacement la délégation du service public l'électricité reçue de l'État. Dans le même élan d'amélioration de ses prestations, la CIE a également procédé à la réhabilitation de la sous-direction des grands comptes. Un accord de partenariat vient d'être signé entre les tribunaux de commerce d'Abidjan et celui d'Angoulême. La France et la Côte d'Ivoire entendent ainsi promouvoir la justice commerciale pour améliorer
le climat des affaires. Par cet accord, les deux juridictions s'engagent à une conduite mutuelle des procédures judiciaires conformément aux litiges commerciaux. Jean-Jacques Ouaméala. La Côte d'Ivoire qui gagne 10 places au dernier rapport Doing Business, une économie classée parmi les 10 économies les plus performantes selon le dernier rapport du Fonds monétaire international. On ne pourrait s'attendre à de tels résultats en créant il y a juste un an le tribunal du commerce d'Abidjan. Après une année judiciaire, en chiffres, le tribunal du commerce d'Abidjan, ça fait 1200 décisions rendues, ça fait presque 3000 personnes immatriculées, ça fait près de 3000 requêtes signées. Une cadence soutenue, voire améliorée d'ici quelques semaines, au regard de l'acte de signature d'accord de partenariat qui a été entériné ce mercredi entre le tribunal de commerce d'Abidjan et le tribunal de commerce d'Angoulême en France. Concrètement, on va travailler sur des sujets qui intéressent la justice commerciale en commun. On va leur faire profiter de notre organisation. Donc, j'ai vu qu'ici, ils sont déjà très très bien organisés. À seulement un an, le tribunal d'Abidjan entend se mesurer et profiter d'une juridiction commerciale vieille de 85 ans. Une ambition à la fois légitime qui tient de la vision des dirigeants ivoiriens à inscrire la Côte d'Ivoire au rang des économies les plus performantes. Nos deux tribunaux se mettent ensemble pour échanger les informations, pour échanger les bonnes pratiques et pour faire en sorte que les juges de là-bas et les juges d'ici puissent se rencontrer, travailler ensemble. Une justice crédible et accessible au service de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires, c'est le souci constant des responsables de ce tribunal qui, après Angoulême en France, entend poursuivre ce partenariat avec les tribunaux de commerce de Paris et de Bruxelles. Nous sommes à jour J-10 de la prochaine visite d'État du président Ouattara dans le centre de la Côte d'Ivoire. En attendant ce moment historique, la ville de Béomi s'organise et la population s'active pour accueillir le chef de l'État. Le point avec Patricia Oumouetia. Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, à environ 60 km de Boaké. Les préparatifs se font sentir pour la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Boaké. Nettoyage de la voirie, toilettage des rues, réhabilitation d'infrastructures et renforcement du réseau électrique. Pour le préfet du département, les préparatifs vont bon train. Au niveau de l'eau, il faut reconnaître que la capacité de Béoumi est un peu dépassée. La ville a grandi et surtout, il y a les villages environnants qui souhaitent être raccordés au réseau de Béoumi. C'est ce problème-là qui se pose. Mais avec les travaux en cours, il y a un certain nombre de villages qui vont être raccordés. Les travaux, comme vous l'avez vu, les travaux sont en train de se faire. Au niveau de l'électricité aussi, c'est exactement la même chose. Nous avons une extension à faire. Oui, pour servir les nouveaux quartiers et surtout certains villages. Au niveau de la ville même, on a 10 km de rechargement et 10 km d'ouverture de rue. Les travaux, comme vous le voyez, Béoumi est en chantier à tous les niveaux. Tête de pont des peuples mandés du Nord et à Kambaoulé, le département de Béoumi est confronté à un déficit d'infrastructures économiques de base au regard du fleuve Bandama qui le traverse. Le peuple Kodé réclame depuis plus de 20 ans un pont moderne. Comme il n'y a pas de pont, c'est comme ça on fait pour aller. Si ils ont pu nous arranger pour gagner un pont ici, là, ça va nous sauver un peu. Là, nous, on peut faire nos marchés aussi. Ces besoins d'infrastructures pour assurer les échanges commerciaux et le désenclavement du département ne sont pas hors des capacités de réalisation du président Alassane Ouattara qui veut impulser le développement de la région. À moins de deux semaines de cette visite du chef de l'État à Boaké, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a visité les différents chantiers de la ville de Boaké. Objectif, se rendre compte de l'avancée des travaux. Boaké au travail. C'est pour se rendre compte de l'effectivité et des avancées des travaux que le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, visite les différents chantiers dans la cité de la paix. Au centre commercial de la ville, de nouvelles couches de bitume s'étendent déjà sur la voie principale. Au quartier Air France, des échanges avec les chefs d'ouvrage sur l'évolution des travaux. Ensuite, cap est mis sur la LOCA, usine de traitement de l'eau de la région de Boaké, située à 20 km de Boaké. À la LOCA, des avancées notables ont été relevées dans les travaux d'agrandissement de la capacité de l'usine. Cette visite du ministre des Infrastructures économiques rentre dans le cadre de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Boaké. Face à la presse, le ministre Patrick Hachi a indiqué que
que 70% des travaux sont déjà effectués. Les préparatifs sont très avancés et que nous serons prêts pour le 25. Et le ministre d'ajouter qu'en matière d'accès à l'eau potable, des foyers à faible revenu vont bénéficier d'une facilité de connexion au réseau hydraulique. J'ai vécu le martyr de l'eau à Bouaké. Pendant plusieurs semaines, Bouaké a été privé d'eau. Aujourd'hui, la situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville s'est nettement améliorée. Sur l'instruction du président de la République, il a été décidé que 12 000 foyers bénéficieraient de subventions. Des jours comme des nuits, l'on s'active à terminer les travaux dans le temps pour donner fière allure à la ville de Bouaké avant le 25 novembre, jour qui marque le début de la visite du président de la République dans le Bouaké. L'Union européenne soutient la mise en œuvre de la sécurisation du foncier rural. 16 motos et 15 véhicules de type 4x4 ont été remis au ministre de l'Agriculture. Ces équipements devraient contribuer à sécuriser 200 terrains villageois sur une superficie de 33 000 hectares. Le compte-rendu de Noël Niagno. Jeudi 31 octobre 2013, 20e étage de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, à l'ordre du jour de la rencontre du gouvernement avec les journalistes de la presse nationale et internationale, le foncier rural. Invité, le ministre de l'Agriculture. Il affiche d'entrée de jeu les intentions du gouvernement. 23 millions d'hectares de terroirs sont à immatriculer. Une semaine plus tard, première réaction, celle de l'Union européenne à travers la remise d'équipements. 16 motos, 15 véhicules de type 4x4. Objectif, aider à immatriculer 200 terroirs villageois dans 5 départements. À Bangourou, à Nimelekoro, à Gobuille, Daloa, Toulepleu. Superficie concernée, 30 000 hectares. En recevant les clés de ces engins de mobilité, le ministre de l'Agriculture a remercié l'Union européenne et donné l'assurance qu'il veillera à la bonne utilisation de ces engins pour le bonheur des populations, surtout. Il appelle par ailleurs les autres partenaires au développement à emboîter le pas à l'Union européenne. Coût de ces équipements, plus de 200 millions de francs CFA. La Méditerranée est incontestablement l'une des régions les plus vulnérables à la dégradation des ressources naturelles et au réchauffement climatique. La conférence de Rabat pour le développement qui s'est ouverte mercredi dernier a été l'occasion d'approfondir le thème. Pour faire face aux défis environnementaux, la région méditerranéenne devra promouvoir de nouvelles stratégies urbaines répondant aux critères du développement durable. Se sont accordés à dire les participants à ce rendez-vous reportage. Lutter contre le trafic d'armes et de drogue qui alimente le terrorisme du Mali à la Libye, c'est le défi désormais posé à tous les pays de la région, réunis jeudi à Rabat pour la deuxième conférence sur la sécurité au Sahel. À l'ouverture des travaux, le ministre marocain des Affaires étrangères a évoqué le manque d'outils technologiques modernes à même de garantir un contrôle efficace des frontières face à l'immigration illégale, aux crimes organisés et surtout face aux infiltrations terroristes. Pour tous, l'objectif est de développer une véritable coopération régionale de sécurité. Cette conférence traduit l'importance de développer des moyens pratiques et efficaces en vue de sécuriser et stabiliser nos frontières. J'approuve le projet de déclaration de Rabat, qui est déjà la manifestation d'une prise de conscience de la nécessité d'une sécurité collective dans un espace commun, l'espace des États riverains du Sahara. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a tenu à réaffirmer son soutien aux États de la région, notamment à la Libye, qui doit relever d'importants défis sécuritaires. À l'évidence, la gestion des espaces frontaliers de la zone sahélo-saharienne est un défi qui nous concerne absolument tous. La dissémination d'armes dans la région est, pour nous tous, une préoccupation majeure et personne, je dis bien personne, ne peut se dire définitivement à l'abri. Première décision concrète, la conférence de Rabat a décidé l'échange systématique de renseignements et la mise en place d'un centre régional de formation des officiers en charge de la sécurité des frontières. En bref et en image, des partisans de la rébellion Touareg du MNLA ont saccagé aujourd'hui des bâtiments publics à Kidal dans le nord-est du Mali, pour protester contre la décision de leur chef de quitter certains de ces locaux occupés depuis plusieurs mois, selon plusieurs sources concordantes. En bref, sachez que la demande de la suspension du procès du président kényan et de son vice-président a été rejetée
par la CPI. Et puis en sport football, je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire négocie une troisième qualification pour la Coupe du monde de football demain face au Sénégal en terre marocaine. Sur place, la Fédération ivoirienne de football sonne la mobilisation autour des éléphants. Ricardo Zama. En ralliant Casablanca par vol spécial le 11 novembre dernier, la Fédération ivoirienne de football plantait les racines de toute l'importance accordée à ce Sénégal-Côte d'Ivoire qu'elle entend gérer avec rigueur jusqu'au bout. Nous, en tant que Fédération ivoirienne de football, avons pris toutes les dispositions pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, soit au Brésil. On est à 90 minutes, on a une légère avance et nous comptons vraiment pousser et faire en sorte que les éléphants soient au Brésil et que les éléphants fassent partie des grandes nations de football. C'est notre objectif, c'est l'objectif des joueurs et tout le monde s'est mis à œuvrer pour que ça soit chose faite. Côté supporters, disposition de mobilisation, les éléphants de Côte d'Ivoire auront des appuis de qualité. Nous, en tant que fédération, avons eu quelques rencontres avec les différentes associations d'Ivoiriens résidents ici, à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc je pense que tout se passe bien, la mobilisation sera au rendez-vous. Sabri et ses hommes ont raison d'avoir le pas alerte. Le Brésil n'est plus qu'à 90 minutes de marche. Pour terminer, sachez que le Téléthon de la Fondation, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, prévu pour ce soir sur nos antennes, est reporté à une date ultérieure. La direction générale de la RTI s'excuse pour les désagréments que ce report pourrait causer. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.